dans le domaine de l'administration publique. Le ministère continue la mise en œuvre des réformes déjà entamées, comme la politique de gestion de performance dans le secteur public. Le lancement officiel de 5 nouveaux guichets uniques provinciaux, de Bubanza, Chibitoke, Kayanza, Makamba et Rutana, a eu lieu à Rutana en date du 30 novembre 2020. Ces derniers s'ajoutent aux 5 autres de Gitega, Ngozi, Ururi, Muyinga et Moar qui étaient déjà existants. Ils sont fonctionnels et délivrent des documents administratifs. Et durant le premier semestre, les guichets uniques provinciaux ont délivré 2766 passeports, 8520 laissés-passer, 1095 permis de conduire provisoires et 315 permis de conduire définitifs, 1050 cartes CPGL, 15846 extraits du casier judiciaire. Dans le but de promouvoir la bonne gouvernance administrative, des contrats de gestion des performances individuelles ont été signés par des cadres et des agents du ministère. Dans le même ordre d'idées et envie de connaître les effectifs des fonctionnaires et leur cahier des charges, un recensement des fonctionnaires a été réalisé au niveau national. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique salariale, le montage technique de cette politique a été adopté par le Conseil des ministres. Au cours de ce premier semestre, 4 réunions et 2 retraites ont été tenues entre les partenaires sociaux et les techniciens du ministère de la fonction publique et du ministère des Finances pour proposer le montage financier de cette politique. Ce montage a été proposé et transmis aux autorités compétentes pour son analyse au Conseil des ministres.